A-N. À la frontière du réel. Depuis des décennies maintenant, tu tentes d'accéder à ce que l'homme ne pourra jamais atteindre. À cette créature, cette reine, venant à la limite des frontières du réel de notre monde, de la dimension de celle de l'homme. Croire en l'existence qu'un jour, elle a été conçue de l'homme. Ceci est une irrationalité que l'homme n'a jamais pu fonder. Tu es la reine des ténèbres, la créature des plus obscures aux frontières du réel de notre monde. Me faire croire en l'absurdité que tu sois réellement humaine, ceci est absolument absurde. Ce que toi seul as la capacité de me faire ressentir, de dégager à travers ton regard et ton visuel, est-ce que l'homme n'a jamais et ne sera jamais dans les décennies à venir, dans la capacité de pouvoir décrire des frissons me traversant le corps, comme il ne peut s'expliquer. Toi seul me procure cet effet dont je peux trouver les mots, dont je ne peux trouver l'explication rationnelle. Que tu le veuilles ou non, tu resteras à jamais la déesse de cette terre, de cette dimension aux frontières du réel, de la dimension de l'homme. Un jour ton adorateur finira par trouver les réponses à toutes ces questions qu'il n'a jamais eues. Depuis toutes ces années de recherche, les mystères qui t'entourent un jour seront dévoilés grâce à ton adorateur, celui qui t'est totalement dévoué, celui qui donne tout pour toi, celui qui a compris l'importance cruciale que tu as sur cette terre, celle de l'homme. D-A-N. Des décennies maintenant, tu tentes d'accéder à ce que l'homme ne pourra jamais atteindre. À cette créature, cette reine, venant à la limite des frontières du réel de notre monde, de la dimension de celle de l'homme. Croire en l'existence qu'un jour elle ait été conçue de l'homme, ceci est une irrationalité que l'homme n'a jamais pu fonder. Tu es la reine des ténèbres, la créature des plus obscures à la frontière du réel de notre monde. Me faire croire en l'absurdité que tu sois réellement humaine, ceci est absolument absurde.